y a plus d'eau. On ne chahute pas dans la cuisine. On chahute pas, on joue à chat. Chat. Un chat? Chat? Où ça? Je me fais toujours avoir à ce jeu. Ben alors, fiston, t'as pris froid? Mais non, je suis pas mal. Fais voir. Non, t'as pas de fièvre? Bon, il doit juste faire une crise d'allergie. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, je suis pas médecin. Allô, bonjour, docteur. Oui, c'est la maman de Boule. Est-ce que vous auriez un créneau pour un rendez-vous aujourd'hui? Dans une demi-heure? Parfait. À tout de suite. Boule, va te préparer. Puisque je vous dis que ça va... Caro, pas touche aux marguerites. Oh, on peut même plus casser la croûte tranquillement par ici. Les blas, et ben c'est pas trop tôt. Je commençais à me faire des poils gris. Hein? C'est pas logique, tu peux pas être tout à coup allergique à Bill et Caro. Boule est allergique à nous. Bill, qu'est-ce qu'on va faire? Fiston, c'est juste un diagnostic. Une première évaluation en attendant les résultats du labo. Et le docteur t'a promis qu'il nous les enverrait par email avant ce soir. Alors en attendant, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Pas vrai? Toujours pas d'email, papa? Non, Boule, toujours rien. Qu'est-ce que tu dirais d'une partie, hein, pour nous changer les idées? Ça fait des lustres qu'on n'a pas joué tous les deux. Ouais, 300 ans et des poussières à vue de truffe. Bill doit être allergique aux jeux de société préhistoriques. Enfin, c'est juste un diagnostic, hein? Bon. Dis donc, Boule, ce n'est pas bientôt l'heure de ta série préférée? Chaque année, des millions d'animaux domestiques sont cruellement abandonnés dans les refuges. De mieux en mieux. Boule, où tu vas? Je vais retrouver Noisette et Pouf au parc. Là où personne ne m'entendra éternuer. Tu devrais pas trop t'inquiéter avec cette histoire. Je crois que tu peux être allergique à tout un tas d'autres choses, comme par exemple la poussière. Oui, mais si je suis vraiment allergique aux animaux, comment on va faire Bill, Caro et moi? Je veux pas t'inquiéter, mais Max, mon cochon d'Inde, ma mère l'a donné à la voisine quand j'ai fait ma première crise d'asthme. Hein? Ta voisine? Mais c'est horrible! Vous imaginez si mes parents donnaient Bill et Caro à Madame Stick? Allez, allez, on s'active un peu, bande de fainéants! Toi, la tortue, tu vas me faire le plaisir de manger toutes les mauvaises herbes! Et toi, sale cabot, les feuilles mortes ne vont pas se ramasser toutes seules! Allez, allez! Et une, deux, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux! Ah oui, c'est clair qu'elle leur mènerait la vie dure. Ça sert à rien de s'imaginer le pire. Tes parents vont pas donner Bill et Caro à ta voisine juste parce que tu t'es mis à éternuer. Ah, pauvre Boule, obligée de devoir dire adieu à ce meilleur pote. Dire. D'abord, personne ne parle de séparer Boule de Bill et Caro. Et puis, on t'a jamais dit que c'était pas poli d'écouter les conversations des autres? Non, je passais juste par là et je vous ai entendu parler. Je me faisais du souci pour Boule. Et l'Oscar du pire acteur revient à Axel. Comment j'aimerais pas être à ta place, mon pote. Enfin, c'est pas près de m'arriver avec Roquette. Ses poils sont hypoallergéniques.
Ça veut dire quoi, hypoallergénique? Qu'un chien comme Roquette a moins de chances de te refiler une allergie. Mais j'y pense. Si tu veux, tu pourras promener Roquette de temps en temps. Au moins, il risque pas de te faire éternuer. T'entends ça, Caro? Il veut me remplacer par Roquette. Je sais même pas faire la moitié de ces tours de chien-chien savant. Et surtout, moi, je suis pas hypoallergico, machin truc chouette. Allez, attrape mon chien. Bill, t'approche pas, sinon je vais me mettre à éternuer. Alors? C'est gentil de te préoccuper de moi, Axel, mais non merci. Il faudra plus qu'une allergie de rien du tout pour me séparer de mes meilleurs potes. Pas vrai, les amis? Bon, je vous aime bien, mais Roquette a rendez-vous chez la toiletteuse. Ciao! Allez, et si on rentrait, nous aussi? Peut-être que les résultats du labo sont arrivés. Oui, je sais, mais on sera fixé une fois qu'on aura reçu les résultats du labo. Pff, non, mais ils en mettent du temps pour tester un simple échantillon de salive. Mais non, maman, on ne va pas te donner Bill et Caro. Quand même, on n'est pas des sans-coeurs. Oh. Mais non, je voulais pas dire ça. Les donner à ta mère? Mais pourquoi pas les donner à Madame Stick à ce moment-là? Maman, il faut que je te laisse. Promis, je te rappelle dès qu'on aura reçu les résultats. Oh, qu'est-ce qu'on fait si Boule est vraiment allergique? On va quand même pas les envoyer vivre ailleurs. Boule ne le pardonnerait jamais. Bill et Caro font partie de la famille. Un point, c'est tout. Exactement. Il doit bien exister un traitement, des médicaments. Il y a forcément une autre solution. Papa! Maman! On est rentrés! Vous avez faim, les amis? Si Boule est réellement malade à cause de nous, alors on peut pas rester vivre ici. Mais Boule est notre meilleur copain. Justement, on doit penser à lui avant de penser à nous. T'as raison. Ils vont tous me manquer. À moi aussi, Caro. Allez, viens, partons avant qu'ils ne se rendent compte de quelque chose. Les résultats du labo! Bill et Caro à Madame Stick. Je vais l'effacer, moi, ce message. Boule! Hein? Si tu ne rends pas mon téléphone tout de suite, tu seras privé d'Internet jusqu'à tes 18 ans. Hein? Bill, attrape! Waouh! Waouh! Et Boule fait une passe en profondeur à Bill qui récupère le téléphone. Ah, quel dribble, quel contrôle, quel... Oups! Mon téléphone! L'ordinateur du bureau. Maman, s'il te plaît, l'ouvre pas. Je passerai l'aspirateur dans toute la maison. Je ferai tous les jours la vaisselle. Je ferai tout ce que tu veux, mais s'il te plaît, l'ouvre pas. Oh, je veux pas voir ça. Et le suspense me donne de l'urticaire. C'est pas vraiment le moment de rigoler. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce message? Boule est bel et bien allergique.
Mais au pollen de Marguerite. C'est pour ça que Boule éternue chaque fois qu'il passe dans la cuisine. Oh. Ils vont finir par me faire avoir un arrêt cardiaque. Youpi. Je vous l'avais bien dit. Rien ni personne ne pourra jamais nous séparer, les amis. Bill ne l'a pas fait exprès, mais je m'excuse pour ton téléphone, papa. Non, t'inquiète. C'est pas pour rien que je l'avais muni d'une coque de protection. Tu sais ce qui m'apporte bien plus qu'un téléphone? C'est qu'on soit ensemble tous les cinq. Papa, mais tu pleures? Non, c'est juste... j'ai une poussière dans l'œil. Oui, ou du pollen de Marguerite. Hein? Et on va en faire quoi alors de ces marguerites? Ça, fiston, je crois que c'est un boulot pour Caro. Oui. À tout à l'heure, Boule. J'y vais, j'ai un rendez-vous pour le travail. Ok, papa. Vas-y, tu vas battre le record, Bill. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est plus fort que moi. Je peux quand même pas faire gagner un chat. Là, t'exagères. Allez, tous les chats sont pas si méchants que ça. Au secours. Au secours, aidez-moi. Robin. Vite, dehors. J'ai dit de pas toucher à Robin. Merci les amis. Alerte, intrus, alerte, intrus. Non mais tu vas laisser mon chat tranquille, sale cabot. Allez, allez, viens par là. Attaquer un pauvre chat sans aucune raison. Il est enragé, votre chien. Mais non, chère voisine, rassurez-vous. Bill est vacciné contre la rage. De toute façon, s'il avait la rage, il aurait de la bave partout. Mais oui, c'est ça, écoutez-moi bien. Si jamais votre chien revient mettre ses sales pattes dans mon jardin, j'appelle la fourrière. Est-ce que tout va bien, mon caporal? Ok, allez, on ne va pas prendre de risques. On va te faire vacciner. Vacciner? J'ai vérifié dans le carnet de santé de Bill. On a raté son rappel de vaccin contre la rage. Bon, je suis vraiment en retard, là. J'ai appelé le vétérinaire. Tu as rendez-vous pour Bill dans une demi-heure. Allez, je file. Il est passé où? Je veux pas qu'on me fasse un vaccin. Qu'est-ce que ça fait, un vaccin? Ça fait mal. Ah bon? Oui, c'est une piqûre qu'on te fait avec une aiguille grande comme ça. Mais
Mais c'est horrible! Ils sont cruels, ces humains! Ma dernière heure est peut-être arrivée. Adieu, Caroline. Attends, j'ai peut-être une idée. Le vétérinaire ne laissera jamais un chien dégoûtant rentrer dans son cabinet. Comment ça, un chien dégoûtant? J'ai pris un bain il y a 6 mois. Oui, j'ai compris. Il faut vacciner mon chat. C'est très urgent. Et quel vaccin vous voudriez lui faire? Tous les vaccins. Bill, Caro, on a le temps de faire une partie avant d'aller chez le vétérinaire. Voilà, voilà. Oh. Oh non, pourquoi tu es plein de terre? Le vétérinaire te prendra jamais comme ça. Dommage. Heureusement, il y a le salon de toilettage juste à côté. Tu vas aller te faire shampouiner avant ta piqûre. Oh, zut, j'avais pas pensé à ça. Ah ouais, tu préfères te laver ici alors? Bon, d'accord. Mais dépêche-toi, hein. Désolée, Boule, mais les chiens aussi ont droit à leur intimité. Oh. Dépêche-toi, on va être en retard au rendez-vous, Bill. J'ai presque fini. Bill, tu es un vrai génie. Pas de rendez-vous, pas de piqûre, pas de piqûre, pas de bobo. Un cupcake au goût savon. Ils sont fous, ces humains. Bill, faut vraiment qu'on y aille. Ah! Oh non, Bill! Salut! Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Faut que je trouve une cachette. Non, pas ici. Si Caporal te voit, il va tout faire pour que tu te fasses repérer, c'est sûr. Caporal n'est pas là. Je l'ai vu partir tout à l'heure avec sa maîtresse. Alors dans ce cas, je connais la cachette idéale. Ah? Bill, t'es où? Bill! Vous avez vu Bill? Super, allez venez, on va le chercher. Boule ne pensera jamais à me chercher ici. Ah, enfin tranquille. Décidément, ce vétérinaire ne connaît rien à rien. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas faire 12 vaccins d'un coup? Enfin, heureusement, on ne l'a pas écouté. Hein, Caporal? Alerte, intrus, alerte, intrus. Je le savais, il a la rage. Bill! Bill! Oh là là, on va rater le rendez-vous. Wouhou! Youpi! T'as de la chance, Caroline. Les tortues n'ont pas besoin de vaccin. Alors que si Bill ne le fait pas, il pourrait attraper la rage, tu te rends compte? C'est quoi 2 secondes de piqûre comparé à une maladie mortelle? Oh, non, j'avais pas pensé à ça. Il faut qu'on annule notre plan. Surveille-le bien, mon caporal. J'appelle la fourrière. Ils vont s'occuper de lui pour de bon. Bouge pas, Bill. Attention, je t'ai à l'œil. Quoi? Je savais pas que t'avais du flair, toi aussi.
T'as pas l'impression que t'en fais un peu trop? Non, mais il faut bien qu'on amène Boule jusqu'à chez Madame Stick, non? Bonjour, vous êtes bien à la fourrière. Allô? J'ai un chien enragé dans mon... Nos correspondants sont occupés. Veuillez ne pas quitter. Bill, chez Madame Stick? Non, c'est impossible. T'imagines Bill chez son pire ennemi, toi? Bill, si tu m'entends, fais quelque chose! Aïe! Ouais! Tous nos correspondants sont occupés. Veuillez ne pas quitter. Nous allons donner suite à votre appel. Tu sens le savon à la fraise? Arrière, malheureux! Ce chien est enragé! Mais non, Madame Stick, c'est de la mousse de savon. Oui, je m'en doutais. Il n'a pas la rage, il a mangé du savon. Bon, ça va pour cette fois, mais attention, je ne veux pas que ton chien remette une patte dans mon jardin, compris? Sinon, caporal... Caporal? Il a peut-être attrapé la maladie du sommeil. Il va falloir que j'aille le faire vacciner. Je suis sauvée. Juste à temps pour aller chez le vétérinaire. Oh, allez, Bill, tu sais que c'est pour ton bien. Ça va aller. Ça y est, c'est fini. Ça alors, j'y crois pas, j'ai rien senti du tout. Une aiguille grande comme ça, tu disais. Je te l'avais dit que c'était rien. Dire que t'avais peur d'une toute petite piqûre. Oui, bon, on a compris. Ah, je te cherchais, Boule. Dépêche-toi, faut qu'on y aille. Qu'on aille où? Oui, j'ai oublié de te dire, quand je cherchais le carnet de santé de Bill, je suis tombé sur le tien. Hein? On a loupé ton vaccin contre le tétanos, alors j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Dans 5 minutes. Hein? Ah! Mais enfin, Boule! Boule! Magic Bill est dans la place. Boule a beaucoup de mal à attraper la balle. Faut dire que Bill préfère se couvrir de poussière plutôt que de le lâcher. Et je frotte, asticote, tournicote et à la crasse je dis adios. C'est qui a la balle maintenant? C'est Boule l'éclair. Sauf que l'éclair ne dure jamais longtemps. Oui, Boule va marquer. Vous parlez bien vite pour une tortue. Parce que regardez qui sort son arme secrète. Hey, c'est de la triche, ça. Non, les oreilles, c'est permis. J'ai pas dit mon dernier whoop. Tournicote. Non. Oh, Bill, toi et ta crasse, chez la toiletteuse, tout de suite. Quoi? S'il te plaît, Boule, pas chez la toiletteuse, elle va me savonner, me masser, me pichonner. Allez, Bill, c'est pas si terrible. Mais qui vois-je? Une saucisse traînée comme un boudin. Ayez pitié d'un coquin salé sans défense. Qu'il est bon de t'entendre supplier pour ce paillasson qui te sert de fourrure. Paillasson toi-même, sac à puce. T'as pas intérêt à te promener sans ta laisse, toi. Bill, arrête de faire ton cinéma. Pollueur.
C'est pas dans un bain qu'elle va te mettre la toiletteuse, c'est dans la machine à laver. Et toi, c'est tes moustaches que je vais shampouiner si tu ne dégarnis pas. Alors, on se sent pas mieux comme... Ça fait pas le téléphone. C'est Bill, toujours à faire des drames pour rien. Ne vous inquiétez pas, je vais gérer cette mission avec... Bill, ça suffit maintenant. Avec discrétion, promis, personne ne saura, surtout pas qui vous savez. Bon, on en était où? Ah oui, à la phase finale. Arrête ta comédie, Bill. Mais c'est pas de la comédie. Te voilà lavé et même frictionné avec de la lotion anti-puce. Eh bien, Boule, comme toujours, c'était un plaisir. Ah, c'est déjà fini? Oui, oui. Allez, tu peux ramener Bill à la maison. Un plaisir? Depuis quand sentir bon est un plaisir? À la prochaine! Et les joueurs tout propres sont de retour après cette mi-temps interminable! C'est reparti pour le match! À toi de commencer! Mes oreilles, pourquoi vous marchez plus? Bah alors, Bill? T'as plus envie de jouer? Mais si, si, si! Et même de te mettre la pâtée! Ne me dis pas que tu râles encore d'avoir été chez la toiletteuse. Bill, Bill, qu'est-ce qui t'arrive? Mes oreilles, elles réagissent plus. Bill, pourquoi tu m'expliques pas ce qui va pas? J'essaye, mais tu comprends rien du tout. Tu veux faire du bateau, c'est ça? Ce que je veux, c'est qu'ils me comprennent comme avant. Ce sont tes oreilles qui ont un souci. Tu n'arrives pas à me dire ce qui t'embête parce que tes oreilles ne fonctionnent plus, c'est ça? Mais comment ça se fait? T'as attrapé un rhume des oreilles? Ou tu t'es fait piquer par un moustique? Un très gros moustique, alors. C'est pas drôle. Peut-être que tes oreilles sont fatiguées et qu'elles ont besoin de se reposer. Et puis nous, Boule et Bill, on est plus forts que des oreilles fatiguées, hein. Et on sera toujours les meilleurs amis du monde. c'est trop beau. Caporal? Caporal d'amour, où es-tu? Vous pensez que Madame Stick a pu lui envoyer des rayons paralysants dans les oreilles? Quoi? Comme dans les films d'agents secrets? Ce serait bizarre quand même, non? Pourquoi elle aurait fait ça? Parce que Madame Stick est capable de tout. C'est terrible, c'est affreux. Sans mes oreilles, je suis comme une pizza sans extra dose de mozzarella. Ouais, tu veux dire comme un chien normal, quoi? Exactement. Et Boule risque de plus me trouver aussi génial qu'avant. J'arrive pas à y croire. On n'est pas obligé de parler avec des oreilles pour être génial, hein? Ouais, c'est vrai. Nous, on parle pas avec nos oreilles, mais on est quand même des super copains. Bien sûr, ce que je voulais dire, c'est que moi, sans mes oreilles, je suis plus vraiment Bill. Tandis que vous, avec ou sans oreilles, vous êtes tout le temps géniaux. Et tu t'es bien rattrapé, là. Allez, Bill, baisse pas les oreilles. On te les a quand même pas ensorcelés. Ensorcelés? Mais... j'y avais pas pensé. Qui voudrait m'ensorceler? Ah, l'attrapeur de chien, bien sûr. Ah, voilà enfin. L'attrapeur de chien avec l'adorable et toute mignonne toiletteuse. C'est bon, j'ai ce qu'il faut. La toiletteuse serait la complice de l'attrapeur de chien. Il faut qu'on soit très prudent, surtout qu'elle ne se doute de rien. J'ai entendu quelque chose? Non. Ne laissez aucune trace. Ce sera plus efficace dans mon salon. Personne ne doit savoir. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites là? Tada!
C'est pas un problème d'oreille qu'il a ton chien, c'est un problème tout court. Il nous explique que la toiletteuse et l'attrapeur de chiens manigancent quelque chose de très étrange. Bill, mais oui. Et ça explique que depuis ton toilettage, tes oreilles sont à plat. La toiletteuse les a paralysées avec sa lotion. Mon Bill, je t'ai compris. Notre amitié est plus forte que toutes les oreilles à plat du monde. Mais enfin, Boule, pourquoi la toiletteuse ferait une chose pareille? Ça n'a aucun sens. Ça, c'est une mission pour Boule et Bill. Ouais! Bill, avec ou sans oreilles, on compte sur toi pour arrêter les ensorceleurs de chiens. La porte est restée ouverte. Bizarre. Oh, Bill, t'as oublié ton soin après shampoing? On vient pour prouver que votre maîtresse a ensorcelé mes oreilles. Notre maîtresse, une ensorceleuse d'oreilles? Et pourquoi pas Nala en dresseuse de lion tant que t'y es? Allez, maintenant faut qu'on en finisse. Vite, cachons-nous. Oui, mais à ma façon. Ils vont ensorceler un autre chien. À l'assaut! Bill, non! Tu es un chien libre. Ne pense même pas à rire. Mais c'est quoi ce cirque? Mais qu'est-ce que vous avez fait à Caporal? Rien du tout. C'est juste que ce matin, je peignais le logo de ma camionnette quand ce fichu chat a bondi devant moi. Et voilà, je lui ai rien fait, je l'ai pas. Moi qui pensais que ma journée était fichue. Pauvre petit Caporal sans défense. Il était tellement honteux de sa tête qu'il refusait de sortir de la camionnette. J'ai essayé de le nettoyer sur place, mais c'était impossible. Il reste là. Et c'est pas tout ça, mais faut le laver ce chat, parce que vous imaginez ce que Madame Stick me ferait? Ce qu'elle nous ferait si elle le voyait? Où est Caporal? Et pas de mensonge, mon GPS à chat m'indique qu'il est ici. Oh, qui a osé faire ça? C'était un tout petit accident. Avec cette tête, mon chat d'amour, tu me rappelles moi. Quand j'étais chanteuse et que j'ai dû tourner le clip de « Je bois ma vie en mauve ». Oui, bon, ce qui s'est passé ici reste ici. Il en va de la réputation de mon chat et de la mienne. Caporal est très susceptible. Vous s'est dit que vous auriez peut-être besoin d'un coup de patte. Et apparemment, vous avez bien géré la situation. Viens, mon chéri, quittons immédiatement cet endroit de mauvaise fréquentation. Maman va s'occuper de toi. Ouf. Ça a pas l'air d'aller, Boule. Tout ça, c'est bien joli, mais ça n'explique pas ce qui est arrivé aux oreilles de Bill. Patouche, Minouche. Bill, je suis désolée. Le coup de téléphone que j'ai reçu ce matin m'a tellement perturbée que j'ai confondu la lotion anti-puce. Avec une crème relaxante pour vache? Elle a frictionné mes magnifiques oreilles avec une crème pour vache? Non! C'est pour ça que tes oreilles paraissent toutes plates. Parce qu'elles sont complètement détendues. Mais je te rassure, ça ne va plus durer longtemps. Oh non, tu ne vas pas recommencer, hein? Bill, tes oreilles, elles fonctionnent de nouveau. C'est ce qui s'appelle la revanche des oreilles. Je vois la vie en mauvais. Interdiction de rire. Oh, c'est l'heure de mes croquettes ici.
On va voir si tu fais encore la sourde oreille une fois que je t'aurai sauté dessus. Qu'est-ce que... Mon pauvre chaton, ne bouge surtout pas. Intervention médicale? Quelle sotte je suis! J'aurais dû mettre ce joli cactus ailleurs. Oh, et sans ces piquants, il ne serait pas si mal. Je pourrais inventer une lotion dépilatoire pour faire tomber ces vilaines épines. Qu'est-ce que tu en penses, chaton? Que je déteste l'acupuncture. Oups, pardon, chaton, au boulot! Oui! Hey, oh, mais moi alors! Oh, d'un chien! Rat-grat, mordi, papa t'en furie! C'est une invasion, les puces! Ils sont envahis par les puces! Vous, en arrière! Vous, va te secouer plus loin, toi! Ah ben voilà, il y en a au moins deux qui se grattent pas! Franchement, si Poulet Noisette y gagne la prochaine partie de frisbee, ça va me coller la rage. J'ai pensé à un truc. On va mettre au point un code pour communiquer pendant le match, pour indiquer où relancer le frisbee. Je me gratterai comme ça et j'indiquerai la direction avec les oreilles. Et toi, pareil, ni vu ni connu. Ouais, hey, c'est une idée de ouf. Et moi, je pourrais mordiller la papate comme ça. Attends, je me suis mordu en vrai. Mais c'est une épidémie. Tous ces chiens sont infestés de puces. J'espère que... Oh, oh non, non, ça gratte. Ça va être du gâteau. On les a trop explosés la dernière fois. Des puces! Oh, désolé, Monsieur Moustache, car on voulait pas vous faire peur. Il n'a pas de puces au moins. Si j'étais vous, j'éviterais le parc et tous ces chiens qui se grattent. Oh. Ah, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils ont tous à se gratter? On dirait des singes. C'est contagieux, ça me démange aussi rien qu'à les regarder. Tu crois, toi, à cette histoire de puce? J'espère que Bill n'en a pas attrapé. Gratouille à droite, gratouille à gauche, on gratouille, on gratouille, on gratouille, gratouille à gauche, gratouille à droite. Ouais, c'est ça, on le tient. Eh, hey, dis donc, les sacs à puces, ça vous gratouille ou ça vous chatouille? La bave du capot n'attend pas la blanche colombe. Eh, hey, mais je suis pas une colombe, c'est une expression. Ah, malin le cabot, t'as mis au point un code pour gagner la partie de frisbee, c'est ça? Je pourrais te dénoncer à ton maître. Non, j'ai une bien meilleure idée. Ma maîtresse a horreur des puces. Elle sera ravie de te signaler au vétérinaire. Ah, chaud de bas! Bouge-toi de là, serpillère. Oh, ça va, t'as qu'à aller moins vite. Quelle idée de courir, ça fatigue. Oh, ça gratouille, ça gratouille. Ça devrait suffire. À la une, à la deux, à la trois. Oh, les vilains piquants! Ça te gratouille encore, mon mignon! Ce cactus ne te fera plus de mal! Je pense avoir trouvé la solution! Caminant, Sibylle! Waf, waf! Avec les oreilles! Waf! Aucun cactus ne fait waf! Un cabot? Mais oui, un cabot qui t'a contaminé avec ses puces! Hein, c'est ça! J'appelle le vétérinaire immédiatement! Il a intérêt à régler ce problème de puce rapidos! Oh, c'est bon, tu peux arrêter de te gratter, j'ai compris! Le grattage, c'est comme le bâillement, c'est contagieux! On est au top pour le match! Préparez-vous à en baver! Tu m'as l'air d'être en pleine forme, toi. Ming aussi. Ouf, pas de puce en vue. Vous avez bien entendu, je vous parle d'une invasion de puces. Qu'est-ce que vous attendez pour appeler l'armée? Calmez-vous, Madame Stig, je suis au courant de cette invasion de puces. Monsieur Moustache a croisé des chiens au parc. On va mettre des colliers anti-puces à tous les animaux à poil. Vous pouvez commencer avec Caporal. Mon chaton dans le même sac que les cabots? Ça ne va pas à la tête. J'exige une quarantaine canine. Je
Oui, tout à fait. Pourquoi pas, mais j'insiste, avec les colliers, tout devrait rapidement rentrer dans l'ordre. Eureka, voilà la solution. Plus de poils, plus de puces. Pardon? Comment ça, plus de poils? Je viens d'inventer le remède radical à cette épidémie. Je n'ai plus besoin de vos services. Non. Oh. Quoi, Aming et Bill? Mais qu'est-ce qu'il fait? Super ce code! J'ai 17 à 9 pour Ming Bill! C'est bizarre, on dirait qu'il se gratte avant chaque tir. Il gagne à chaque fois. Oh non, t'as vu? Ils se grattent comme des fous. Tu crois que Monsieur Moustache avait raison? Repérage des suspects. Évaporisation immédiate. J'ai eu chaud. L'humiliation de Bill sera moins spectaculaire que prévu, mais je ne veux pas rater ça. Il ne perdra pas ses poils, mais bonjour l'odeur de lavande. Ça va cocoter mon coco. Ça sent bon. Oh là là, gratte, 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 gratte. Ça fourmille. Oh, Jean, ça chatouille. Oh, mais ça sent bon. Oh, merci. Oh, ça gratte toujours. Oh, Madame Stick, Madame Stick, au secours, les puces envahissent la ville. Mission anti-puce. Georges, Rapo. Mais c'est pas nous qu'il faut vaporiser, ce sont les chiens au parc. Au parc, en avant. Mais je crois que j'ai compris. Bill et Ming se grattent pour indiquer où lancer le frisbee. C'est un code. Ah, c'est pas vrai. C'est de la triche, mais franchement, c'est malin. En voilà deux. Qu'est-ce qui se passe? Écartez-vous des sacs à puces. Il faut les traiter immédiatement avec ma lotion révolutionnaire. Mais c'est quoi ce traitement? Vous l'avez déjà essayé? C'est peut-être dangereux. Vous deux, arrêtez de vous gratter. Tout le monde croit que vous avez des puces. Ouais. Dis plutôt que tu veux nous faire perdre. Raté. Bof, major, il a cru qu'on était du genre à tomber dans le panneau. Georges! Attendez, Madame Stick, je vais vous expliquer. Mon chien n'a pas de puce, c'est juste un jeu. Arrêtez tout! Arrêtez tout! Voilà la cavalerie. Toujours en retard, évidemment. Vous allez assister à ma méthode révolutionnaire pour éliminer les puces. Vous ne connaissez pas les conséquences de vos expériences farfelues. Ça peut être très dangereux. En tout cas, c'est très efficace sur mon cactus. Il a perdu tous ses piquants. Plus de poils, plus de puces, c'est ma devise. Hey, comment ça, plus de poils? Cessez immédiatement ce traitement, c'est un ordre. Oh, mais de quoi il se mêle le joufflu? Et ma vengeance, alors? Encore raté. On dirait plutôt que c'est votre chat qui se gratte, Madame Stick. Mon chaton d'amour. Oh, ce chat est infesté de puces. Arrêtez-moi ce robot. Jean, rapport, rapport. C'est ça, votre antipuce révolutionnaire? Je le confisque. Mais c'est de l'eau de lavande. Ouf. Hein? Comment ça, de l'eau de lavande?
Oui, bien sûr, vous ne m'avez pas laissé le temps de vous expliquer. Que je ne vous reprenne plus à expérimenter des traitements bizarres. On va s'en tenir aux grands classiques. Collier, shampoing et bain pour ceux qui se grattent. Le docteur, ça gratte beaucoup moins. Je pense que les puces n'apprécient pas trop la lavande. Madame Stick, vous voulez que je vous aide? Arrière, le moustachu! Je ne suis pas une bête à poils. S'il vous plaît, vous pourriez vérifier que mon chien et son copain n'ont pas de puce? Ne t'inquiète pas, ces deux-là n'ont rien. Alors, chaton d'amour à sa maman, c'est qui le sac à puce? Caporal, on rentre à la maison. Ainsi vite, Madame Stick. J'oubliais de préciser que le traitement de choc, c'est au cabinet. Pour votre chat, bien sûr, mais pour vous aussi. Hé, hey, Caro, on en était où déjà? Ah oui, je crois qu'on vous mettait la pâtée. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, laisse tomber. Il faut toujours qu'il fasse son malin.